ce qui est aberrant. Il y a même des gens au niveau des institutions. Non, mais le concept de Banyamulenge est venu d'où? Qui l'a initié? Quelle est cette communauté? Même à tel raisonnement, est-ce que vous ne savez pas qu'il y a d'autres nilotiques qui ne sont pas basés dans la Banyamulenge? Et qui vous dit que toute personne, il faut pas payer la nationalité? Qui a dit ça? Quel est ce principe-là qui dit que ce que vous mettez dans le comme Congolais d'origine? Il y a des bazombo bazalia. Basenga mabele. Bamboro Roloko va faire n'importe plus de 15 ans. Tu repères sa nationalité après chaque 60 ans? Il faut te comme ça mutunyon soit vous mettez dans Congo, il faut te comme ça être Congolais d'origine. Tu repères ça être droit à terre. Est-ce que vous avez la différence entre être Congolais d'origine et être Congolais par naturalisation? Nous pouvons accepter que vous êtes Congolais, oui. Mais vous êtes Congolais naturalisé. Mais vous êtes Congolais d'origine parce que le Congolais d'origine est lié à la terre. Le Congolais d'origine est lié à l'histoire. Tous ceux qui ont été propriétaires des terres, vous êtes Congolais d'origine. Bon exemple, c'est dans la Bible. Bah, Israélite, ça a plus de 400 ans dans Israël. Bah, ça a 400 ans dans l'Égypte. Bah, comment est-ce que les Égyptiens? Bah, pesa ba on mabele. Il y a des gens qui ont fait plus de 50 ans aux États-Unis. Bah, pesa ba on mabele. Qui vous dit que ceux qui moutent, comme il y a oumé, il a un comme propriétaire de terre? Non. C'est ça la confusion, les alliés. Bah, banya moulenge, bah, bande de gonabiso. Bah, bande de gonabiso, des sons de Rwandais. Et puis d'ailleurs, ouais, il y a bien que ceux qui sont congolais par naturalisation, tu as des obligations. Ceux qui ont commis qu'au service, bah, intérêt à bah, payer moussous. La loi prévoit que bah, la nationalité. Tout le monde a rangé la bande de gonabis, bah, d'aller bah, congolais d'origine, bah, comme bah, français, bah, belge. Si vous violez le loi de cette république, on peut vous retirer, ou de la monarchie, on peut vous retirer la nationalité. Alors pourquoi on doit insister sur le Banyamulenge? Et puis, lorsque vous allez à l'aberration, bah, non, voilà. Et Banyamulenge va se victimiser, il faut toquer par la communauté internationale. Attendez, monsieur, qui ne sait pas qu'il y a des batumsous sur les bafoulés ou bazali pekuna, babembe bazali kuna, barega bazali, babashi bazali, bazakuna pe bazako souffrir. Parce que le Rwandais bazako kota la mort, il y a un bango. Au lieu de tout soutenir les Congolais, oh bazali n'a droit à bango, non, vous ne soutenir les Rwandais parce que vous avez la guerre. Ça, c'est la lâcheté. Mutu moko tazana droit ya koya ko botela biso mabeli.